tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma première vidéo facecam pour ma FAQ, donc je vous avais parlé dans des vidéos précédentes que je voulais tourner une FAQ pour que vous appreniez mieux à me connaître. Car toutes les vidéos que je mets sur YouTube, c'est des VOD que je prends de mon stream que je fais tous les soirs sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch pour assister à mes streams tous les soirs. Et voilà, donc c'est vrai que du coup je réponds pas vraiment à vos questions. Et en vidéo, je réponds surtout en commentaire. J'essaye de répondre au maximum à mes commentaires. D'ailleurs, merci énormément à tous ceux qui commentent mes vidéos, ça me fait très plaisir. Et du coup voilà, je me suis dit que c'était cool de faire une vidéo FAQ pour répondre au maximum à vos questions, car je réponds aux questions sur Twitch. Donc sur Twitch beaucoup de gens me connaissent, je réponds à mon chat en direct très souvent, donc je suis très proche de ma communauté, c'est vrai que je parle beaucoup avec mon chat, mais sur YouTube c'est pas en direct, donc je peux répondre qu'aux commentaires, et du coup le seul moyen de répondre à vos questions c'est via une FAQ. Donc là voici, j'ai pris les questions les plus récurrentes, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, et du coup je referai une vidéo FAQ s'il y en a beaucoup. Petit disclaimer, ne jugez pas, c'est la première fois que je fais une vidéo facecam, donc j'ai pas du tout l'habitude de parler à une caméra tout simplement. Normalement je parle en stream, donc avec un chat animé, enfin c'est plus dynamique et c'est la première fois que je fais ça, donc je suis pas habituée et je vais essayer de faire mon mieux. Et n'hésitez pas à me mettre des retours en commentaire pour me donner des conseils pour les prochaines vidéos que je ferai comme ça. Allez, on part sur les questions et voilà, à tout de suite. La première question, les potes, qui m'est énormément posée, c'est est-ce que je suis étudiante à côté de YouTube et de Twitch? Donc oui, je suis étudiante, je continue mes études et je continuerai mes études. C'est quelque chose que je mets énormément en avant sur Twitch, de ne pas abandonner les études, car c'est quelque chose d'important. Vous n'êtes jamais sûr de si YouTube ça va marcher ou pas en fait, et ça demande énormément de temps de stream tous les soirs, dans 5 heures de stream, de repérer tout le passage important pour donner à mon monteur sur YouTube pour qu'il puisse mettre les vidéos sur YouTube. Enfin voilà, ça demande beaucoup de temps, mais je veux quand même garder les études car c'est quelque chose d'important et qui me permettra d'avoir un métier plus tard. Les jeunes, vraiment, n'abandonnez pas les études pour ça, du moins réfléchissez-en beaucoup, parlez-en à votre famille et faut que vous soyez sûr en fait quand vous lâchez les études que ça va marcher et que vous allez pouvoir en faire quelque chose de votre vie. Mais sinon voilà, je suis étudiante, j'ai fait un bac scientifique, spécialité mathématiques, option mathématiques supérieures. Ça c'est l'école qui m'a choisi cette option parce que en fonction des moyennes que vous avez, ils vous donnent plusieurs options, maths, physique, chimie, sport, enfin voilà. Moi, vu que j'ai toujours eu entre 16 et 19 de moyenne en maths, je suis matheuse, donc ils m'ont donné cette option qui permettait de me préparer au prépa mathématiques et physique, chimie. J'ai réussi mon bac, je l'ai eu avec mention bien. Et par la suite, en fait, je voulais faire une prépa de base, sauf que lors de cette année, j'ai parlé avec des étudiants et ils m'ont expliqué l'ambiance qu'il y avait et leur façon de travailler en prépa, et c'est quelque chose qui m'avait du tout plu en fait. J'aimais pas les méthodes de travail et l'ambiance, donc j'ai décidé d'aller en DUT informatique et gestion. Tout d'abord informatique, parce que il y a une logique pour les algorithmes informatiques qui me plaisait. J'ai toujours eu la logique en maths et voilà, j'aimais beaucoup, donc je me suis dit que c'était un domaine qui pouvait me plaire, et également parce que ça demandait des connaissances en maths et je suis une matheuse, donc je voulais garder les maths dans mes études. Mais également en gestion parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Effectivement, j'ai fait un bac S, donc j'ai pas du tout touché à la gestion et ça m'a plu, donc j'ai eu mon DUT il y a un an et mon prof de gestion m'a dit mais tu es fait pour la gestion, va à l'IAE et fais du management. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis actuellement en licence 3 de management des sciences et des technologies à l'IAE de Montpellier. Je l'ai eu, cette semaine, j'ai appris que je l'ai eu avec 13,85 de moyenne, donc je suis trop contente. Et je vais pouvoir aller en master l'année prochaine. Et voilà, c'est vraiment la voie, enfin j'ai trouvé ma voie, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup c'est pour ça que je continue également les études, parce que j'ai trouvé ma voie. Et dans tous les cas, même si vous ne trouvez pas votre voie les potes, n'hésitez pas à changer. Ne vous forcez pas à rester dans un cursus si le cursus ne vous plaît pas. Il faut trouver votre voie parce que ça va vous mener vers un métier qui vous prendra les trois quarts de votre temps. Choisissez un métier qui vous plaît, quitte à perdre des années dans les études pour repartir à zéro et changer de cursus. Franchement ça en vaut le coup. Donc l'année prochaine je vais en master, je vais continuer sur un master en management, en gestion de projet innovant. Peut-être qu'après le master je ferai une pause dans les études pour me consacrer à stream et YouTube pendant 1 ou 2 ans maximum. Et ensuite je ferai un MBA, donc c'est encore des études, je m'arrête pas. MBA c'est en fait le meilleur diplôme mondial de management, donc je ne compte pas arrêter les études. Deuxième question logique suite aux études, c'est quel métier je souhaite faire plus tard? Ça paraît logique avec les études que je vous ai expliquées. Je souhaite gérer des projets innovants, dans le gaming si possible, mais après j'ai pas de domaine spécifique tant que le projet me plaît et qu'il est innovant et que j'ai envie de développer et que je me donne à fond. Et par la suite, créer mon entreprise quand j'aurai mon propre projet qui me plaît et qui me tient à cœur et dont je serai capable de me donner à fond pour le créer. Donc voilà, tout d'abord gérer des projets et ensuite créer ma propre entreprise.
La fameuse question, d'où vient mon pseudo Juliette Arz? Donc, c'est pas Juliette Adz. C'est vrai qu'on m'a mis en couple avec Adz à cause de ça d'ailleurs, parce que les gens pensaient que je m'appelais Juliette Arz. Pas du tout les potes, c'est ARZ, ce sont des lettres de mon nom de famille. Avant de connaître Adz, je m'appelais Juliette ARZ. D'ailleurs, c'était dû au fait que sur Twitch, je m'appelais Juliette Arz et mon premier stream, je l'ai lancé avec ce compte-là. Et du coup, j'ai jamais changé le nom du compte parce que les gens, au final, m'ont connu avec ce pseudo et je me vois pas changer encore de route de pseudo. Donc voilà, c'est le pseudo que j'ai mis de partout, même si c'est pas vraiment un pseudo au final, parce que c'est Juliette et des lettres de mon famille, c'est plus des... Enfin, je pourrais pas vraiment considérer ça comme un pseudo, mais voilà, d'où vient mon pseudo Juliette ARZ. Et du coup, la question logique, c'est pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Donc sur YouTube, c'est une autre raison, c'est principalement mes viewers Twitch qui m'ont demandé de me lancer sur YouTube pour qu'ils puissent avoir des vidéos au cas où qu'ils ne puissent pas assister au live le jour même, ou au cas où qu'un jour je ne puisse pas live, et du coup qu'ils aient du contenu à côté à regarder en attendant que je restream. Et également pour les best-of, c'est vrai que je suis plutôt dans l'animation sur mes streams, du coup il m'arrive quelque chose, souvent des petits moments fun comme vous pouvez voir à travers les best-of, et je sais que ça vous plaît énormément, donc voilà, et pour moi ça me permet de garder des souvenirs aussi de l'internet. Donc voilà, je me suis lancée sur YouTube principalement pour ma communauté qui voulait du contenu à côté, et voilà, je sais que j'ai attiré d'autres gens de YouTube seulement qui me suivent, mais au début c'était vraiment pour ma communauté Twitch. Une question qui m'est également beaucoup posée, c'est quel est mon âge? Donc j'ai 20 ans. On dit que je fais moins, on dit que je fais plus, je sais pas pourquoi. Certains pensent que je fais 18-19 ans, d'autres pensent que je fais 24-25 ans. Mais non, j'ai 20 ans et je suis née le 23 novembre 1998. Quelles sont mes origines? Ouais, parce qu'on me donne toutes sortes d'origines alors que non les potes, je suis juste française. J'ai des origines très lointaines espagnoles de la côte basque. Je me considère à 99% française parce qu'elles sont tellement loin que voilà. J'ai vraiment, enfin, j'ai des origines, je suis française tout simplement. Pourquoi je me suis lancée dans le stream? Donc ça c'est grâce à un ami, je pense que vous connaissez, c'est Anil, alias Wartek. Et c'est vrai que je le connaissais quand il faisait encore des streams sur Twitch. Et il m'a dit, mais Juliette, enfin si ça te plaît tant que ça, pourquoi tu te lances pas? T'es drôle, tu joues assez bien, enfin tu as tout pour te plaire dans ce milieu-là. Donc lance-toi et essaye, et de toute façon t'as rien à perdre, autant tenter et voir si ça te plaît que ne pas tenter et risquer de passer à côté de quelque chose qui pourrait te plaire. Donc voilà, je me suis lancée dedans et c'est vraiment une aventure qui me plaît. Et apparemment ça vous plaît beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me choque à quel point ça va vite. Et il y a tellement de gens qui me regardent et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens, même sur YouTube. Sur YouTube on est 20K en même pas un mois et demi, enfin c'est juste fou. Et merci beaucoup, merci énormément tout le monde pour le soutien que vous m'apportez, pour tous vos messages. Ça me motive encore plus de voir que vous aimez énormément mon contenu. Merci énormément à tous et je compte continuer. La fameuse question qui m'est demandée énormément de fois, c'est est-ce que je suis une joueuse pro? Alors pas du tout, parce que je n'ai pas du tout le niveau pour être joueuse pro. Hein. Je suis une joueuse lambda qui joue en MM. Je ne travaille pas du tout la ranked et en PP avec les pros. Donc voilà, j'ai pas du tout le niveau pro et j'ai pas du tout le temps, donc comme je vous ai dit, je suis étudiante, donc je peux pas me permettre de passer du temps d'entraînement en plus du stream, de YouTube. J'ai pas le temps, tout simplement, et j'ai pas l'envie en fait. Je m'amuse très bien en MM, avec des potes et même des fois en ranked. Je veux juste un niveau qui soit agréable à regarder, donc pour le moment on me dit que je l'ai, donc je suis très contente. Et je veux animer mes streams, je veux m'amuser sur le jeu. Et le côté tryhard, ça me plaît, mais je ne veux pas tryhard au point de vouloir devenir joueuse pro. Du coup, effectivement, on me demande souvent mon code créateur, alors qu'il est au début de toutes mes vidéos. Mon code créateur, c'est vrai qu'on me reproche de pas... Enfin, c'est pas vraiment qu'on me reproche, mais c'est qu'on me pose des questions. En mode, c'est quoi ton code créateur? Parce que j'en parle pas assez. Donc c'est vrai que j'aime pas en parler sur Twitter et Insta, parce que tout le monde spam leur code créateur et ça m'énerve. Enfin, genre, j'ai que ça dans ma TL, j'ai mute toutes les personnes qui le spammaient trop. Et j'avais pas envie, vu que moi j'aime pas ça, mais j'avais pas envie de faire ça aux autres parce que je fais pas aux autres ce que j'aime pas. Et voilà, donc mon code créateur c'est Juliette-6Arz, tout simplement. Et pensez-y parce que vous pouvez le mettre toutes les deux semaines et ça sera initialisé, donc il faut penser à le mettre toutes les deux semaines. Et merci énormément à tous ceux qui me mettent, même si j'en parle pas beaucoup, on est 700 avec mon code créateur, c'est quand même pas mal, c'est beaucoup. Donc merci énormément pour votre soutien les amis. Et voilà, sinon je le mets juste au début de toutes mes vidéos YouTube dans mon intro. Pour vous le rappeler, mais voilà, c'est le seul endroit où je le mets. Et voilà. Donc si je suis gameuse aujourd'hui, c'est grâce à ma... Enfin, c'est ma maman qui m'a donné un PC très jeune. Elle m'a fait un deal avec moi. Elle m'a dit, Juliette, je t'autorise à jouer au jeu seulement si t'arrives à maintenir tes notes à l'école et que tu sors voir tes amis de temps en temps. Donc voilà, j'ai toujours eu de très bonnes notes à l'école, j'ai toujours réussi mes études facilement parce que c'est vrai que j'ai des facilités, ça faut pas nier que j'arrive à gérer le Twitch et le YouTube en même temps que les études parce que
je n'ai pas besoin de travailler énormément pour réussir. J'ai toujours respecté ce deal, j'ai une très bonne banque de potes, c'est limite ma deuxième famille que je vois très souvent et qui me permet de sortir et de rester les pieds sur terre et de ne pas m'enfermer dans le monde des jeux vidéo. Je vois beaucoup ma famille, j'ai des bonnes notes et également, même sur internet en soi, hein, j'ai des amis sur internet et je les vois en LAN, à des conventions, là à la Paris Games Week. D'ailleurs, prochaine question, une des questions parlera de la Paris Games Week, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça a été un deal avec ma mère et je l'ai toujours respecté et c'est pour ça que je stream aujourd'hui car je respecte toujours ce deal. Il y a une question intéressante également. On me demande où est-ce que j'habite parce que sur mes vidéos YouTube et sur Twitch, vous voyez mon ambiance autour de ma cam parce que j'ai pas un fond vert, donc vous voyez ma chambre derrière. Donc pour le moment, j'habite chez mon papa, il a une maison à Montpellier et je compte partir de chez mon papa pour aller dans un appartement. Pour différentes raisons, parce que d'ailleurs, la première raison c'est que j'ai envie de mon indépendance, j'ai quand même 20 ans, je vais avoir 21 ans, j'ai envie d'être seule, d'avoir mon appart, donc je vais prendre un appart avec mon meilleur ami normalement en colocation très bientôt. Je commence à faire des recherches. Mais pour d'autres raisons, comme par exemple que mon papa, tous les soirs, enfin quelques soirs, il se couche tôt et moi je suis en train de stream et je peux. Des fois je le réveille parce que j'anime mon stream et je parle un peu fort, c'est vrai. Mais du coup voilà, c'est dérangeant pour lui comme pour moi parce que des fois aussi en stream, quand il dort, je me retiens, j'anime moins bien parce que je parle moins fort et j'ai pas envie d'avoir ce problème là. J'ai envie de me donner à fond en stream donc j'aime pas devoir me retenir. Mais également aussi parce que actuellement je dois faire 40 minutes de voiture matin et soir pour aller à l'école. Donc voilà, je cherche un appart proche de mon école afin que je perde moins de temps et que je perde moins d'argent, même si vous allez me dire ouais mais tu vas payer un loyer. Ouais mais bon, un jour ou l'autre je dois prendre mon indépendance, donc voilà. Je compte prendre mon appart l'année prochaine et du coup mon décor va changer. Une question aussi qui m'a voulu demander, c'est une vidéo setup. Donc je vous ferai une vidéo setup quand j'aurai mon appart justement. Parce que actuellement mon setup n'est pas du tout fini et c'est un peu le bordel chez mon papa vu que j'ai un tout petit espace. C'est une mauvaise excuse en fait, je suis un peu bordélique ces derniers temps. Donc j'ai pas envie de vous faire une vidéo avec tout mon bordel. Je préfère attendre d'avoir mon appart et de tout bien ranger et de faire mon coin stream, comme ça ça sera beaucoup mieux. Mais je peux vous donner quelques indications. Comme mon clavier, j'ai un Corsair K70, vraiment le meilleur clavier jusqu'à maintenant. C'est un mécanique et franchement il est fou. J'ai changé de souris il y a pas longtemps donc mon level a régressé à cause de ça d'ailleurs, c'est horrible. Mais bon, j'ai changé il y a 2 jours, 3 jours. Mais je vais m'adapter, hein. C'est juste au niveau aim, du coup, vu que ma souris est beaucoup plus légère, j'ai l'impression d'avoir une sensibilité plus haute alors que pas du tout. Mais ça, je dois m'adapter. Et du coup, je suis passée de la G402 à la G Pro Wireless et elle est vraiment folle. Alors, la G Pro Wireless, elle est super. J'ai un écran BenQ et une caméra C920. Voilà! Avec quoi j'enregistre mes vidéos et avec quoi je fais mes montages. Donc mes montages, pour le moment, c'est plus moi qui les fais, j'ai un monteur qui s'en occupe. Il est fait sur Premiere Pro. Et avec quoi j'enregistre mes vidéos. Donc moi, je reprends toutes mes vidéos, c'est des passages de mes streams, donc je les télécharge directement de Twitch. Si plus tard, je compte faire des vidéos off-stream, je les réécris tout simplement avec Streamlabs OBS qui permet d'enregistrer mes vidéos. Et mes miniatures, c'est sur Photoshop, c'est WarTV. Je vous mettrai son Twitter dans la description. C'est lui qui fait toutes mes minias et mes nouvelles minias, les dernières, celles qui sont jolies, parce qu'à l'époque c'est moi qui les faisais. C'est vrai que je gère pas du tout Photoshop et j'avais pas le temps de m'intéresser à ça, donc voilà. Maintenant mes minias sont trop jolies et je suis assez contente. Ma chaîne commence à s'améliorer et ça fait du bien quoi, ça me fait plaisir. Est-ce que ce sera possible de me voir à la Paris Games Week? Donc oui les potes, je serai à la Paris Games Week, c'est sûr. Avec des amis, on a déjà prévu de prendre un Airbnb et de s'y rendre. En tant que visiteur, du moins pour le moment, moi j'aimerais bien participer à des stands ou quoi là-bas. Donc ça, je vais voir si c'est possible. Je vais en parler avec quelques gens parce que en tant que visiteur, c'est pas fou. Et pour vous rencontrer, c'est plus facile de vous rencontrer sur un stand que à travers la Paris Games Week parce que c'est géant, il y a beaucoup de gens, enfin c'est plus compliqué. Donc voilà, je vais voir si c'est possible de faire ça. Mais sinon, c'est sûr que j'y serai. N'hésitez pas à me suivre sur Insta où je mettrai beaucoup de stories pour vous dire où je serai. Et sur Twitter également où je mettrai des posts pour qu'on puisse se retrouver à des endroits. Et, voilà, on pourra se voir les potes, ne vous inquiétez pas. On me demande beaucoup aussi, est-ce que je suis en couple? Non, je ne suis pas en couple. Je suis célibataire. C'est vrai que, principalement sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Ouais, aussi sur YouTube, c'est vrai que dans les commentaires, vous me demandez beaucoup si je suis en couple avec Ads ou Akichio. Parce que je fais des vidéos avec eux et je joue beaucoup avec eux, mais non. C'est pas parce que je joue avec un autre streamer ou une autre youtubeur, que je suis en couple avec cette personne. On s'entend juste bien, on est de très bons amis. Et c'est tout quoi, ça restera là, on s'entend bien et voilà. Et arrêtez de c'est pas parce que je joue avec quelqu'un que je suis en couple avec cette personne. Bah, arrêtez de me mettre en couple avec tous les gens que je joue parce que ça commence à faire beaucoup de relations. Hein.
Bon les gars, merci énormément d'avoir suivi cette vidéo, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je sais qu'elle a été un peu longue, mais je voulais absolument répondre à un maximum de questions pour que vous appreniez mieux à me connaître et parce que je les vois énormément dans mes commentaires, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo FAQ. Donc voilà, je suis désolée si je me suis mal exprimée, si je bégayais un peu, si je regardais pas la caméra, enfin je suis pas du tout habituée. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des retours pour que je puisse m'améliorer sur les prochaines vidéos. Si vous avez d'autres questions pour une FAQ numéro 2, mettez-les en commentaire, c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo comme ça. Franchement j'aime bien, ça me dérange pas, donc voilà, je vous ferai ça avec plaisir. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que je fasse facecam, également mettez les idées de vidéos en commentaire.